Salut tout le monde, c'est Gamasama, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Token Battle pour l'événement de Vegeta SSJ4 LR Puissance. On va y aller avec la team famille de Goku. Bon, vu que je n'ai pas le leader Goku SSJ4 AJ, bah, je suis parti avec un leader, on va dire, éco plus, on va dire. Un leader qui est un peu moins fort, mais qui est pas mal. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo de leur événement tout de suite, parce que je voulais au moins éveiller certaines unités comme lui. Du coup, on part avec lui. Pas de doublon Migaté que j'ai droppé il y a pas longtemps. Mettez un max de pouces bleus parce que j'ai enfin eu mon putain de Migaté que je recherche depuis toute ma vie. Goku SSJ4 puissance avec un doublon. Goku SSJ Tech un doublon. Bardock pas de doublon. Et Goku SSJ3J avec deux doublons. Alors, Skate Team est pas mal, il y a pas mal de compositions qu'on peut faire, mais moi j'ai envie de tester cette compo. Du coup il y aura deux phases AJ et après deux phases puissance. Allez voir. Mais vous allez voir que ma team ça part assez bien en SP. Ce Goku il fait plutôt pas mal de dégâts. J'aurais pu ramener aussi le Goku SSJ2 Ange qui était dans le portail qui donne de la vie. Et j'ai pas envie de le ramener pour cette compo. Et pourquoi j'ai ramené certaines unités que déjà Migaté, j'ai mis Migaté parce que je l'ai droppé il y a pas longtemps. C'est pour montrer aux gens que je l'ai droppé. Ça fait plaisir de le jouer. Et voilà, depuis que je l'ai droppé, je joue tous les jours la team divine. Je suis tellement heureux de l'avoir. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, voilà, on va aller voir la combo. Ça, on va aller voir, ça part assez facilement en SP quand même. Vous voyez, le niveau ki, c'est plutôt bien. Hein. Du coup, on va faire une rotation. Je fais quoi comme rotation? On va laisser comme ça. On va mettre les deux SJ4 ensemble. On va mettre le tech et le LR ensemble. Et on va faire notre compo. On va voir après pour notre composition. Peut-être Migaté, on va le laisser dans la composition. Ah, Migaté, il fait tellement plaisir. Ça fait les belles et tout. Après, je sais pas si je vais invoquer encore sur le portail. Du coup, ouais, c'est vrai, je vous ai pas dit ce que j'ai droppé en off. Parce que j'ai refait 2-3 mi en off. J'ai eu la AC18 Dragon Ball Super. Que je n'avais pas. Que je vais pouvoir vous faire une petite. Showcase de la team Cyborg maintenant. La team de Migaté, je vais pouvoir vous faire un showcase. La team de Bardock et FG3, je vais pouvoir faire un showcase. Il y a pas mal de teams, je vais pouvoir vous faire des showcases. Des teams. Pas mal aussi de persos à tester que j'ai mis 100% désormais. Dont Bardock. Dont le Vegeta SSJ3 puissance et 2-3 autres unités, vous allez voir. Du coup, la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, du coup. Parce que vu que cette vidéo est dimanche, je pense d'ici mardi, mercredi, vous aurez la vidéo du. Comment battre le Goku SSJ4 avec la team de Vegeta cette fois-ci. On va partir en sous-leader avec le Vegeta avec le scooter et tout là, le Vegeta qui affronte le Goku Kaioken. Du coup on va faire comment au niveau rotation là. On va prendre ce petit là parce qu'il faut des carc-en-ciel, du coup il part plus facilement en SP. On va garder le Goku SSJ3 pour l'instant. On va virer Kaioken. Kaioken qui est pas trop mal. Après j'ai pas de doublon malheureusement. Le Vegeta aussi, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Il est pas trop mal et j'ai ramené aussi une autre unité. Là j'aurais pu ramener aussi le Goku SSJ2 GT. J'aurais pu le ramener, je l'ai éveillé, je l'ai SP 10. Mais bon, je voulais pas trop l'utiliser pour cette compo. Peut-être que je t'irai de vous faire un petit test aussi de perso. Vous verrez dans celle de Vegeta, je ramènerai des persos et d'autres je les ramènerai pas. Comme Majin Vegeta puissant, je sais pas si je vais le ramener, on va le voir. Je réfléchis encore si je vais le ramener. En tout cas, je choisis, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de persos. Surtout à team de Goku, il y a beaucoup de persos. C'est compliqué à choisir les persos que tu mets. Hein. Et puis je suis obligé de partir avec un sous-leader parce que je n'ai pas le vrai leader. Mais vous voyez quand même, j'ai 400 000 de points de vie avec cette team là, avec un sous-leader. Pour vous dire qu'on peut jouer la catégorie de Goku ou celle de Vegeta avec des sous-leaders. Sous-leader, il y a le Kaioken que j'ai et le Goku CJ2 qui font aussi, ils font tous les deux la même chose.
des leaders un peu moins OP, mais on peut jouer la catégorie. Bon, après, vous avez aussi pour le Vegeta, vous avez Majin et le Vegeta qui affronte Goku Kaioken. Pas oublier que c'est quand même assez fort, même si après vous avez les LR, c'est mieux, mais bon, faut pas sous-estimer, ces cartes sont quand même des cartes correctes qui font assez mal quand même. Hein. Certes, vous les avez peut-être pas vu encore l'action, mais ça fait quand même assez le café et c'est assez cool. Ouais, ça fait plaisir de faire une vidéo sur Token Battle. Ça faisait, j'en fais pas trop en ce moment, je suis pas trop là. En ce moment, je fais plus surtout du Tokyo Ghoul, j'en fais une fois par semaine du Tokyo Ghoul en ce moment. Bien, bon, la semaine prochaine malheureusement il n'y aura pas de Tokyo Ghoul parce que déjà il n'y a pas de vidéo en vocation, et je vais voir si, à part si y a un événement intéressant à faire sur Tokyo Ghoul, mais bon, on verra dans la semaine prochaine. Mais en tout cas, je pense déjà sur vidéo d'Okan pour l'événement de Goku et CJ4. Vous aurez sans doute mercredi, mardi, je sais pas, dans la semaine, mardi ou mercredi vers la fin de la semaine, on aura peut-être, vous aurez peut-être deux vidéos en plus, peut-être celle de, ah, peut-être une vidéo sur Fortnite, ou je sais pas encore, on verra. Ou peut-être une autre sur Dokkan, je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo, sinon ça pourrait être sympa de savoir à peu près ce que vous voulez comme style de vidéo. En tout cas, c'est sûr et certain, il y aura la vidéo au début de la semaine, celle pour le Goku. Après, le reste, si vous avez des petites idées par-ci par-là, pourquoi pas faire une vidéo si vous plaît. Bon. Là, c'est bien. Allez. On va aller. On déjà utilisé. J'ai envie de l'utiliser. Ah, j'ai trop envie de l'utiliser. Putain, ça fait tellement plaisir qu'ils parlent les persos. Malheureusement, je les ai pas eu. Peut-être que je invoquerai sur le portail. Il faudrait peut-être une nouvelle vidéo invocation dessus. Mais on va attendre la deuxième partie. Hein. Parce que s'il y a un perso ou un portail intéressant en deuxième partie, j'aurai le seum parce que j'aurai plus de DS. Oui, 3 millions. Ah oui, là. Atomisé. Ouais, ça peut peut-être le garder pour le dernier coup. Ouais, tant pis. On l'a atomisé, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre enfin les trucs en place? Je vais vous montrer un peu la puissance de Kaioken. Qui a plus de défense? C'est Migate qui a le plus de défense. On va laisser comme ça. Je vais montrer un peu l'étendue du Kaioken, comme ça va être bien. Bardock, on va le mettre en. On va le virer de la rotation. Là, on est sur le dernier combat. Ouais, il se prend pas. Il prend un petit peu, mais bon, voilà, ça va. Cet aspect, il est plutôt pas mal. Ça va, lui. Il est pas trop dégueulasse. Il y a pire. Il y a pire comme aspect. Une petite animation, mais bon. Ah, il a fait 200 000, hein. Après, il tape pas sur le bon type. Il tape sur le mauvais type. Vous voyez là? Depuis qu'il a lancé sa spé, je prends 32 dégâts. Hein. C'est un mauvais type. Hein. Il est endurance. Hein. Non, il est tech. Non, j'ai rien dit. Non, il est tech. Il tape pas sur le bon type, je prends des 30. Ça va. Ça va, c'est propre. Hein. Quand même. Hein. Mon Migaté, il fait du 600 000. Après, il a une barrière, l'adversaire. Le Bardock SCJ3. Vraiment un perso vraiment très bon. Je suis très content de l'avoir. Du coup, il manque plus trop des leaders catégories. Il manque Thalès, que j'aimerais vraiment avoir parce qu'il est très intéressant. Bleu Bou multiforme que je n'ai toujours pas. Mais après, j'ai fait qu'une multi, je crois, sur le portail. Thalès, pareil, j'ai fait qu'une multi. Je l'ai pas Thalès Métacouleur. J'ai fait qu'une multi, je l'ai pas eu. Et après, il me reste qui avoir. Là, c'est un peu compliqué niveau lien. On va faire comme ça au pire. Ah, partira pas en spé team. Après, comme ça, c'est bien. On va pouvoir vous montrer l'aspect, la deuxième spé. Lui, il part pas en spé. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez. Ouais, du coup, ouais, j'ai. Après, il manque le black. Voilà les 4 leaders qui manquent. Après, il y a Hit, mais Hit n'est pas sorti encore sur la Jap. Et du coup, les deux LR là, les deux LR catégoriques qui me manquent, ces deux-là, c'est tout. C'est tout, après il manque rien d'autre. Que Gogeta et Broly, je les ai. J'ai Végéto et Gogeta. J'ai même un doublon sur Végéto aussi. Ça, c'est plutôt sympa, le petit doublon sur Végéto et LR. Enfin, même la première spell est tellement belle en fait. Ça, comme ça, vous voyez toutes les spells, c'est bien. Pour les gens qui sont sur la globale.
Peut-être, bon, je pense que tout le monde les a vus, mais bon. Ah, il n'y a plus qu'une barre de vie, hein. Petit Vegeta SJ4, c'est la fin. Et c'est la fin même. On va le finir avec Goku SJ4. Bon, bah, l'événement était pas compliqué. On a utilisé 0 item. On a claqué 0 item. La team, à part plutôt facilement en lien, à part là, qui a eu un petit problème. Bon, ça arrive de temps en temps, mais sinon, ça part souvent en spé. Juste là où le Goku SJ4 puissance qui a pas pu partir en spé. Mais bon. À part ça, sinon, ça part souvent en spé. Après Goku SJ4 puissant, on n'est pas obligé de le ramener. Je pense que. Mais je pense qu'il sert pas à grand chose. Mais bon. Après tu peux jouer quand si t'as 6, tu peux jouer avec si t'as double Goku SJ4. Tu fais deux rotations Goku SJ4, c'est possible. Attends. Ah bah non tu peux pas. Non j'ai rien dit. Non non en fait non on n'est pas obligé de le ramener. Même il sert à rien. Mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus. Il y aura la vidéo du coup de l'événement de Goku mardi, mercredi, je pense. Je vous dis à peu près les os. Et dites, si vous voulez, dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme autre vidéo dans la semaine. N'oubliez pas le pouce bleu du coup, de partage, de vous abonner si vous aimez mon contenu, ça fera plaisir quand même. Parce que si vous aimez mon contenu, vous abonnez pas, ça, je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà, je force pas. Vous faites ce que vous voulez. Du coup, allez, bye, c'était Gamer. On se revoit pour une prochaine vidéo.